Tous les invités de cette série ont en commun une passion, la peinture. Bien que simples amateurs, ils ont accepté de venir nous parler du tableau dont ils sont particulièrement enthousiastes. Monsieur Jean-Noël Pic a choisi le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Assis ici même, dans le même fauteuil, il y a quelques années, je m'en souviens bien. Il était d'ailleurs environ 2 heures du matin, comme aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui. J'avais déjà eu cette reproduction entre les mains. C'est le troisième panneau du triptyque de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices. Et je me souviens bien également que je l'avais regardé un moment, et d'une manière peut-être un peu pédante d'ailleurs, je vous avais dit, si vous le permettez, je vais vous parler de ce que je vois là. Et je me souviens de ce détail que j'avais commencé par le bas du tableau, à droite. Et je vais vous redire maintenant, quelques années après, ce que je vois au bas du tableau à droite. Alors il y a un cochon, demi-habillé en religieuse, à moins que ce ne soit une religieuse demi-nue, plus ou moins transformée en cochon, qui de son groin tente d'embrasser dans l'oreille un homme nu. Et cet homme nu a un geste, tient la tête du cochon ou de la religieuse, cet homme nu a un geste dont on ne peut pas savoir si c'est pour l'attirer ou pour le repousser. Et une sorte de nain semi-humain, revêtu d'une armure, semble s'intéresser vivement à leurs ébats et vouloir y participer. Ce nain a une flèche sur la cuisse, et de son cimier pend un pied humain qui est attaché au cimier. Un peu plus haut, on peut voir un homme nu, renversé et dévoré par deux chiens revêtus d'armure, comme le nain, le dévorent, l'égorgent. L'homme, d'ailleurs, ne semble pas en souffrir autrement. S'il fallait définir son expression, ce n'est évidemment pas une expression de torturé. Elle n'est pas extatique non plus. Cet acte-là de dévoration se passe comme quelque chose de tout à fait normal et qui n'appelle aucun sentiment. Et plus loin encore, toujours dans le bas du tableau, il y a une scène tout à fait étrange. Un individu chaussé de petites enclumes et habillé d'un costume noir tacheté de blanc, revêtu comme d'une cape par une peau de raie, eh bien, cet homme, cette bête-là, ou cet homme-là à tête de souris, tente d'étrangler un homme nu. Cet homme nu a une dague qui lui traverse la main. Et comme pour l'homme dévoré par les chiens, cet homme étranglé par une raie à tête de souris, a l'air absolument tranquille. Aucune expression, ni de douleur, ni d'extase. C'est comme un acte qui ne le concerne pas. Toujours à peu près dans les environs, on voit un homme décapité par une épée tenue par aucune main. Et lui-même a les yeux bandés, comme un condamné à mort, et puis soutient sa tête qui s'apprête à tomber. Il la soutient comme le penseur de Rodin peut se soutenir la tête en réfléchissant. Vous voyez, avant que j'examine attentivement ce tableau, assez souvent, me semble-t-il, lorsqu'on me parlait de Bosch, on parlait d'un symbolisme chez Bosch, ce qui implique un sens secret, un langage de métaphore à décrypter. Or, je ne vois vraiment aucun sens dans ce tableau, donc aucun symbolisme. Difficile même d'y trouver des correspondances. Impossible d'y trouver une signification. Le propre des éléments qui se trouvent dans ce tableau, des êtres qui s'y trouvent, c'est de s'y emboîter, de s'y associer de manière multiple, sans qu'il soit possible de dire ce que cela veut dire.
Ainsi, toujours pour rentrer dans cette description, pour continuer cette description que je faisais tout à l'heure, on peut voir sur le tableau un être mi-homme, mi-oiseau, un être à tête d'oiseau en tout cas, gigantesque parce que plus grand que les autres éléments du tableau, en train d'avaler un homme. Il avale un homme nu, il l'a déjà avalé à moitié. Et puis, détail, parenthèse sans importance ou parenthèse importante, cet oiseau a un chaudron sur la tête, un chaudron en guise de couvre-chef. Et ses pieds sont chaussés de cruches. De cet homme nu qu'il avale, sortent des hirondelles. Des hirondelles s'envolent de l'anus, plusieurs hirondelles s'envolent de l'anus. Dans tous les cas, dans la réalité comme dans les tableaux, des hirondelles évoquent quand même le ciel, voire même le ciel bleu. Et ici, dans ce tableau, elle s'envole d'un anus. Et à ceci correspond, si l'on peut trouver une correspondance que j'invente peut-être moi-même, le fait que ce grand oiseau, qui est assis sur une sorte de chaise percée, une chaise percée royale, comme Louis XIV sur son trône, est en train d'excréter une bulle. Une bulle d'où sortent d'autres hommes nus légèrement plus petits que celui qui l'avale, comme si avant même qu'il ait fini de l'avaler, l'homme nu se transformait en homme de plus petite taille, lesquels tombent dans un trou, dans un puits, dans une lunette de cabinet, autour de laquelle d'ailleurs d'autres hommes se livrent à différentes opérations d'excrétion. L'un d'eux défèque des bulles ou des œufs, de petits objets ronds, quoi qu'il en soit. Un autre accroupi vomit, aidé par une femme. Et du fond du trou, du fond de cette lunette, de ce puits, sort plus ou moins dans la pénombre un visage. En fait, il est très difficile de parler de ce tableau et même de le décrire. La description implique une reconnaissance. On décrit uniquement ce que l'on reconnaît à partir d'un canevas où il y a l'intégration de notions d'ordre, de notions de sens. Et dans ce tableau, il n'y a ni ordre ni sens. C'est le tableau le moins religieux qui soit, car dès qu'il y a du sens, on peut penser qu'il y a de la religion. Aucune complicité de ce fait ne peut exister entre celui qui a fait le tableau, Bosch, et celui qui le regarde, où l'on y reconnaît quelque chose et où on s'y reconnaîtrait en fin de compte. Ainsi, il y a quelque chose dont il semble plus facile de parler dans le tableau. Vers le haut, je vois une lame de couteau, un tantinet ébréché, estampillé, planté entre deux oreilles gigantesques, elles-mêmes reliées par une lance. Alors évidemment, un tel dessin évoque tout de suite le canon d'un char d'assaut, par exemple, entre les deux roues. Ou alors, mais c'est tellement évident que c'est à peine nécessaire d'en parler, ça évoque le pénis dressé entre ces deux compagnes testicules. J'ai remarqué d'ailleurs, c'est curieux, que dans les dessins d'enfants, toujours, lorsqu'ils représentent un homme nu, avec son sexe, le sexe est bien là, représenté par un petit bâton entre les jambes, mais les testicules n'apparaissent pas. On les voit apparaître par contre sur les oreilles. On voit très bien que les oreilles, sur le dessin, remplacent les testicules. Les oreilles, c'est les testicules. Mais là encore, si on en arrivait à parler de symbolisme à ce propos, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est complètement subverti par le fait que les oreilles servent également à autre chose. Ainsi, je vois au-dessus du lobe de l'oreille un homme, un être sombre, qui est soit un diable, soit un moine, qui tente de sauver quelqu'un écrasé sous l'oreille en le prenant par la main. Un peu comme d'un radeau, on tend la main à un naufragé pour le hisser à bord et dans le cas présent, pour le hisser dans l'oreille.
Je me demande vraiment comment Bosch en est arrivé à faire ce tableau. Évidemment, quand Van Ruys, le célèbre marchand, mécène, lui a commandé un tableau, un triptyque, il voulait, là, selon le thème de l'époque, une représentation de la fameuse trilogie de la Sainte Trinité, ou de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Et c'est ce que Bosch est censé avoir fait, car Bosch était un artiste, mais enfin il était, comme tous les artistes à son époque, à la fois estimé et tout à fait servile. Il travaillait à la commande selon les thèmes religieux imposés. Alors dans les deux panneaux de gauche, il doit sans doute représenter l'Éden et le purgatoire. À gauche, c'est tout à fait visible, la couleur même du tableau, les personnages qui s'y trouvent, évoquent quelque chose d'édénique. D'ailleurs, il me semble qu'il avait assez peu d'inspiration pour peindre le paradis. Il y a beaucoup moins d'éléments, ça grouille beaucoup moins de personnages et d'actions que dans le panneau dont j'essaye de parler. On y voit néanmoins, c'est curieux, un éléphant. Et l'éléphant évoque toujours, à mon avis, l'animal paradisiaque. Dans toute la mythologie qui concerne l'éléphant, il est décrit comme l'animal que l'on retrouvera au paradis. Il y a un auteur, Tserce Vens, qui parle de l'éléphant comme d'un animal qui, sur un long chemin parsemé de mandragores, chemine lentement vers le paradis. Le panneau central est plus complexe. Le panneau central, le jardin des délices à proprement parler, il évoque la distraction, la profusion, la danse, la réconciliation des espèces. On y voit par exemple, et c'est vraiment le centre du panneau, des hommes, des cavaliers, qui vont par triades, comme dans les cirques, chevauchant différents animaux, cochons, bœufs, ours, chevaux, et tournant en rond dans la gaieté. Dans une gaieté que je trouve peut-être un peu conventionnelle. Il me semble vraiment que c'est dans le troisième panneau, dans la description de l'enfer, que Bosch enfin se laisse aller à décrire cette jouissance insensée et complète. Cette jouissance si complète que la conscience même de la jouissance n'y est pas. Mais pourquoi est-ce que ce tableau est tellement attirant? Pourquoi est-ce qu'il est tellement fascinant, finalement? Eh bien, je l'ai dit, ce tableau n'est régi par aucun ordre, par aucune loi. Il n'y a ni loi esthétique, ni loi morale, ni logique, tout simplement. Il n'y a pas de perspective, par exemple, dans ce tableau. Quand on regarde la taille respective des différents personnages, on se demande où est l'espace. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de sexe non plus. Bien sûr, beaucoup de personnages, la plupart peut-être même, sont nus, mais très simples, très, très chastes. Le sexe est partout. Il est dans l'œil, il est dans le groin du cochon, il est dans l'armure, et il n'est pas simplement là où on a l'habitude de le situer, par législation finalement. Tu nous dis qu'il n'y a pas de sexe dans ce tableau de Bosch, et tu étais là tout à l'heure quand on t'a interrompu, tu parlais de jouissance, que le paradis là c'était la jouissance. Eh bien peut-être que ce tableau prouve que qu'on jouit sans sexe. Le sexe n'est que la canalisation de la jouissance. Et y arrive qui peut, s'en contente qui veut. Ici, on jouit du fait qu'on a une tête de lapin alors qu'on est un moine, qu'on se laisse embrasser l'oreille par un cochon sans même s'étonner que ce cochon soit habillé en religieuse, qu'on a un dé à jouer sur la tête, qu'on se laisse dévorer par des chiens, qu'on a la main percée par un couteau,
La jouissance vient de partout. Elle est complètement détachée de l'organe. Les organes ne sont pas planifiés. La fonction n'a rien à voir avec l'organe. Ainsi, au milieu du tableau est quelque chose, c'est quelque chose là qui représente à peu près le centre du tableau, car ça tranche avec le reste par la couleur beaucoup plus claire, par la taille. Ça trône là au milieu du tableau comme le Christ au milieu de la scène. Je vois un corps évidé, un demi-corps, si l'on peut appeler ça un corps, dont les bras sont tout à la fois des jambes de cheval, et puis des branches d'arbres desséchés qui reposent sur une barque. De ces branches partent des rameaux qui d'ailleurs s'enfoncent, retournent au milieu du corps au lieu de s'évaser dans l'air comme logiquement le font les branches d'habitude. Et à l'intérieur de ce corps, il y a une scène de cabaret. Des gens sont en train de banqueter. Une servante leur remplit une cruche au tonneau. Ce corps est vide, c'est un corps sans organes. Et l'habite qui veut. Tu nous parles de Bosch d'une façon très, très curieuse, c'est-à-dire l'idée qu'on a de Bosch tel qu'on en parle, ces tableaux, c'est quelque chose de souvent de très compliqué, d'insoutenable. Et là, à la fois dans la façon dont tu parles, le ton de ta voix, ce que tu nous décris, on a l'impression d'une très grande tranquillité. Alors, j'ai pas envie du tout de venir Bosch voir. Tout à fait tranquille. Je oui, trouve Bosch tout à fait tranquille. Il me semble que parfois on a parlé comme si c'était la représentation d'un sabbat, des obsessions nocturnes. Or, tout me semble très tranquille, c'est-à-dire que chacun y jouit pour son propre compte, mais chacun, c'est un mot tout à fait faux, parce qu'il n'y a pas de chacun. Chaque organe, chaque chose, n'importe quoi s'entremêle qui fait de la personnalité tout à fait une fiction. Il y a là un sultan, une sorte de sultan à tête de singe, avec son burnous sur la tête, qui lance un crachat comme une ficelle à nœuds multiples, qui s'inscrit en partition de musique sur les fesses nues d'un homme couché sur un livre de musique et à moitié caché par un étrange instrument qui est une sorte de greffe, de luth et de harpe. Et sur la harpe, comme un supplicié, est pendu un homme que les fils musicaux traversent. Et tout à côté, un instrument tout à fait étrange, qui est de musique, mais qui est également un peu comme les brodequins avec lesquels on soumettait à la question au Moyen-Âge les gens que l'on torturait. Un homme tout en haut tourne la manivelle, ce qui écrase dans l'instrument une personne qui, de sa baguette, semble vouloir obtenir un son musical d'une petite tringle. Et ce qu'il y a de curieux, d'ailleurs, dans cet instrument, c'est que cette petite tringle sur laquelle le supplicié tente d'obtenir un son musical semble comme dessinée. Elle semble comme dessinée sur l'instrument. Elle ne semble pas en relief, au point qu'il n'y a pas de différence entre le relief et l'absence de relief. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de perspective dans les tableaux de Bosch, mais il n'y a même pas de différence se faisant entre ce qui est figuré et ce qui est censé vivre de sa vie en trois dimensions. Et à côté encore, décidément, il y a un groupement d'instruments de musique dans ce coin du tableau que je suis en train d'essayer de décrire. Un instrument avant, une sorte d'énorme flûte, et tout au bout, évasé de la flûte, s'échappe un peu de fumée et une main dressée qui semble appeler au secours. Et tout autour des personnages, dont certains chantent comme dans une chorale, et d'autres se bouchent les oreilles. Et tout s'enchaîne comme ça dans des associations
dans des associations multiples où on ne peut plus savoir où est la douleur, où est le plaisir, où est le corps, tout simplement. Il me semble qu'à notre époque, Bosch serait catalogué comme schizophrène et serait enfermé parmi ceux qui disent que, par exemple, ils voient avec leurs oreilles, qu'ils entendent avec leur bouche, et qu'ils n'ont aucune conscience du temps et de l'espace. Il n'y en a aucune dans ce triptyque. Alors évidemment, au Moyen-Âge, il n'y avait pas la... Enfin, disent les critiques, etc., la notion de la perspective, c'était pas très bien étudié. On ne tenait pas son crayon comme ça pour calculer les proportions quand on étudiait le corps humain ou quand on étudiait l'espace. Mais chez lui, indépendamment de références historiques, il me semble que, de toutes les façons, l'espace ne peut pas exister, qu'il est impossible qu'il existe. Parce qu'il n'y a strictement aucune différence entre les animaux et les êtres humains, entre les vivants et les morts, et que personne ne s'y exprime avec la totalité de son corps ou de sa personnalité. Il y a dans ces tableaux des êtres humains, des animaux, des choses qui réalisent entre elles le plus grand nombre d'emboîtements possibles, d'agencements possibles. Tout ce qui peut prendre, enlacé, prend et enlace. Tout ce qui peut être pénétré est pénétré. Tout ce qui peut entrer quelque part, entre quelque part. Et peu importe qu'il s'agisse d'une cavité humaine ou d'une cavité naturelle. Ainsi, il est connu que le corps humain en tout cas, a 7 orifices. 7 orifices très connus, je crois, par des sciences sacrées. 7 orifices sans lesquels le monde n'existerait pas, aussi importantes que les 5 sens. Et de ces 7 orifices, en fait, un seul fait la différence entre l'homme et la femme. Les 6 autres sont communs à ce qu'on appelle les 2 sexes. Et Bosch reproduit fidèlement cela. C'est-à-dire que la différence des sexes y apparaît finalement, mais elle y apparaît pour 1/7, pas plus. Et il exprime quelque chose dont il est très difficile de parler parce que c'est la certitude, c'est l'évidence. C'est les choses telles qu'elles sont. Bon, je voudrais que tu me montres les 7 orifices. Ah, oh, les 7 orifices sont dispersés. Tu peux les repérer, là ? Si les 7 orifices étaient groupés comme ils le sont sur un même corps, ça serait une manière de représenter le corps, par les 7 orifices comme par les yeux. 7 orifices miroirs de l'âme, ou les 2 yeux miroirs de l'âme. Mais là, ils sont dispersés. Et finalement, on les voit tous. On voit 7 orifices du fait qu'une flûte est enfoncée dans l'anus. On voit 7 orifices du fait qu'une espèce de crachat noué, comme quelque chose de solide, en sort ou y pénètre. Il n'y a pas de sens non plus. Il n'y a pas de sens, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens ni aller ni retour. Il n'y a pas de sens, ça veut dire que ça ne signifie rien, et que donc il n'y a pas de différence entre l'aller et le retour. Et cet orifice qui distingue l'homme de la femme, on le voit ? Eh bien, c'est le moins dessiné. Apparemment, c'est celui qui l'ennuyait. Le fait est que les hommes sont dessinés avec des sexes tout à fait minuscules, à peine marqués. Les femmes, c'est pas précisé. On dirait que c'est quelque chose qui l'ennuyait un petit peu, puisque c'est à travers cet ordre-là que se définit tout l'ordre du monde. Il y a des animaux qui mangent à moitié des hommes. Et on a l'impression... Parce qu'ils n'ont pas fini de manger. Disons que c'est un impromptu. Oui, mais finalement, enfin, ça l'oiseau qui sur son trône mange un homme, je pense que si on attendait un peu, il aurait fini de le manger. Et que donc sortirait du siège davantage d'hommes chiés par la bulle. Mais le tableau est forcément figé. Bon, vous avez vu les 7 orifices ? Pas vraiment. Et il y en a d'autres. Il
Et qu'est-ce que tu verrais d'autre, justement, si on attendait un peu, comme tu viens de le dire? Parce qu'on a l'impression que c'est un instant, si je me souviens bien, que c'est un instant très, très précaire que peint Jérôme Bosch. Et que si on attend un peu, on attend un petit peu voir en quoi se transforment les tableaux de Bosch, on verrait le chaos. Un chaos final qui est comme le chaos original, enfin, le chaos original que je n'ai pas connu personnellement, c'est quand même le moment, quand on y pense, où le solide et le liquide n'étaient pas tout à fait, mais pas tout à fait distingués, hein, la mer et la terre, où les animaux de l'eau et les animaux de la terre n'étaient pas encore distingués, où les sexes n'étaient pas distingués, où la matière organique et la matière minérale n'étaient pas tout à fait distinguées. Et lui reproduit cette espèce de mouvement qui refuse tout ordre. Les ordres où ça se stabilise. Les ordres où il y a une différence énorme entre l'animal et le végétal, entre l'animal et l'homme. Et chez lui, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Ce qui fait qu'on ne peut pas prouver Bosch. On ne peut en parler que avec certitude, c'est-à-dire sans avoir approuvé. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi, je n'ai pas approuvé puisqu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Il n'y a pas ce qui peut se prouver. Et finalement, je voudrais dire qu'on vit toujours sur ces relations de cause à effet, ces relations de distinction. Si on y réfléchissait, est-ce qu'une femme se sent vraiment femme, ou est femme, ou est-ce qu'elle peut dire où elle l'est? Par quoi? À part de si minimes différences, qu'enfin c'est un petit peu mesquin d'en parler, est-ce qu'on peut le dire vraiment? Peut-être. Peut-être. Et le temps est mélangé, je voudrais dire aussi chez Bosch, c'est-à-dire, il y a quelque chose de très curieux, je reviens sur certains détails. Une femme tenue jalousement, je veux dire par un jaloux, une femme, elle est tenue par une espèce de loup-garou, qui a des pattes comme des racines, il la tient jalousement, pour vérifier qu'elle n'est pas totalement séduite par le derrière d'une espèce de grenouille gigantesque dont les pattes se terminent en ramifications d'arbres, en rameaux. Et le loup-garou tient de très près sa femme, qui a l'air un peu saoule, un peu languide, prête à aller avec n'importe qui, donc, parce qu'il est un peu frayé à l'idée qu'elle pourrait être amoureuse du visage qui sort du cul de la grenouille-arbre. Et plus loin, un peu plus haut, il y a des gens qui font du surf. Il y a un homme penché dans la position tout à fait adéquate des champions olympiques, position du ski touchous, je ne sais pas comment on dit, hein, qui est sur une espèce de périssoire, suivi par un homme chaussé de patins, enfin comme ceux qui suivent en faisant du ski nautique. Un autre a fait naufrage, comme quelqu'un qui, classiquement, se casse la figure en faisant ça. Devant eux, d'ailleurs, il y a une espèce d'esquimau qui est un pingouin. Enfin, strictement aucune importance. La définition ne compte pas. Là, j'emploie les termes que je peux. Mais c'est une espèce de pingouin. Il est chaussé sur des skis. Enfin, c'est le Grand Nord. Et puis, il marche sur des skis. Il est pingouin, il est esquimau, un peu courteau. Et ils sont là. Sans aucune référence au matériel qui existait à l'époque. Sans aucune référence. Et ça fait se demander vraiment... La science, en général, on pense qu'elle progresse comme ça, à partir de sa propre progression, du plus simple au plus compliqué. Et là, on a l'impression que la science n'est que la réalisation de l'utopie. En haut du tableau, un spectacle dont je n'ai pas parlé encore, mais dont il faut que je parle, c'est la cité humaine. On la reconnaît absolument, une architecture, une ville construite sur un fleuve, des ponts, des châteaux. Et on y reconnaît tout à fait la cité humaine, car on y voit des armées en déroute ou en conquête, en train de traverser des ponts, sabre au vent, et des troupes massacrées, des hommes nus jetés dans le fleuve. Et plus loin, sous une arcade, des troupes qui défilent, des cavaliers peut-être, qui défilent fièrement. Et la cité est en feu.
On la reconnaît, je répète, parce que c'est la guerre, et là, contrairement à tout ce que j'avais dit jusqu'à présent, c'est l'atrocité, mais l'atrocité qui est celle de la société humaine. Les massacreurs, les massacrés, les soldats et les populations civiles, et tous ces bâtiments qui, pour une fois, représentent une perspective. J'avais dit que dans l'ensemble du tableau, il n'y avait pas de perspective. Le tableau n'a pas d'autre perspective que ces deux dimensions. C'est-à-dire que la seule réalité à laquelle renvoie le tableau, c'est sa réalité à lui-même. Et tout en haut, on voit bien donc qu'il s'agit du monde humain, non seulement par ce qui y est représenté, mais par ce qui est peint. Cette cité est détruite. Cette cité est en pleine guerre, elle est détruite. Des fournaises partout, du feu qui jaillit de partout. C'est sans doute une espèce d'apocalypse qui est l'apocalypse humaine. Qui est la destruction des hommes les uns par les autres. Et c'est cette destruction de la société humaine qui, très sûrement pour Bosch, représente, permet même ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire ce qui va se passer en dessous. Autrement dit, cette jouissance partielle à l'infini, qui est le fait même de ce troisième panneau du triptyque.